touche évidemment. Je voudrais évidemment remercier le travail des enseignants qui répondent toujours présents quand la commune les sollicite, voire même qui demandent les sollicitations de la commune. Et je voudrais, jeunes gens, vous remercier de votre présence et ainsi contribuer au devoir de mémoire. Je vous remercie. De cette sombre période de l'histoire et de son centenaire, il me semble utile de revenir sur l'année 1915 et son incidence sur la vie des soldats partis de Verneuil et de leurs familles. Souvenez-vous l'an passé, j'avais évoqué 1914 et la guerre fraîche et joyeuse qui ne devait durer que quelques jours, quelques mois tout au plus, grâce à une guerre de mouvement qui n'a généré que des massacres et peu de résultats. Si peu de résultats que 1915 arrive et que la guerre n'est toujours pas finie. Alors 1915, ce sera quoi? Une année terrible. Une année de boue et de sang. Une année de boue car apparaissent les tranchées, séparées par le no man's land dans lequel une triste végétation, faite de barbelés, a poussé. La tranchée, c'est un espace sale, boueux, dans lequel on côtoie les cadavres, les rats, les poux et la misère. C'est aussi le lieu dans lequel on doit organiser une vie sociale. C'est aussi l'espace dans lequel on peut s'abriter, s'isoler quelques instants et constituer une camaraderie qui survivra bien longtemps après la guerre dans notre société. Celle de ceux qui y étaient et que tout oppose à ceux qui sont restés derrière. Ces embusqués qui pensent que tout pourrait se gagner d'une simple offensive et ne comprennent pas que cette guerre continue. C'est une tranchée qui se creuse entre ceux de l'avant et ceux de l'arrière. La tranchée, c'est aussi la violence du pilonnage ou de la sape qui vont vous ensevelir. C'est aussi et surtout le terrible moment où il faudra sortir, courir pour gagner du terrain et grignoter quelques mètres à l'ennemi. Oui, on grignote du terrain au prix du sang, les deux. Bien souvent, ce terrain est perdu et tout est à recommencer. 1915, c'est 370 000 morts du côté français, avec des batailles dont les noms claquent encore dans la mémoire collective. Notre-Dame de Lorette, Saint-Mihiel et déjà Verdun qui connaîtra la célébrité en 1916. Rien qu'en Champagne, lors d'une offensive, 182 000 hommes sont tombés pour 5 km de terrain. Pour récompenser
les combattants ont créé une décoration, la Croix de guerre, attribuée pour récompenser l'octroi d'une citation par le commandement militaire pour conduite exceptionnelle. À ce jour, on ne connaît pas le nombre exact de décorations qui seront attribuées pendant la Première Guerre mondiale. Mais cela a-t-il compensé les douleurs et les souffrances engendrées par ce conflit? Et comme si se battre en France ne suffisait pas, on part de l'autre côté de l'Europe, dans les Dardanelles, mener des opérations hasardeuses et coûteuses en vie humaine. 1915, ce sera les prémices de la guerre totale, où tout est bon pour faire plier l'ennemi et le contraindre à capituler. Ce sera donc le début de la guerre des gaz à Ypres, puis des bombardements des populations civiles, l'usage de l'aviation par des actions offensives ou le torpillage de navires civils. Devant ce durcissement de la guerre, l'allure des combattants se transforme. Les voilà désormais dotés de casques d'acier et de tenues moins voyantes. La silhouette, universellement connue de nos poilus, vient de naître. C'est aussi l'industrialisation en outrance pour la production de guerre et le recours à la main-d'œuvre féminine pour pallier l'absence des hommes partis au front. Changements sociétaux importants qui marqueront à jamais tous les pays englués dans ce conflit, cette guerre civile entre Européens. 1915 n'est que le début. Les horreurs se poursuivront jusqu'en novembre 1918 et laisseront des traces encore longtemps perceptibles. La guerre n'est que l'expression de la barbarie. Nous devons combattre la barbarie et défendre les valeurs qui font notre société, liberté, égalité, fraternité et laïcité. C'est en nous battant pour ces valeurs et ces principes garants de la paix que nous honorons et sommes fidèles au nom gravé dans la pierre de notre monument aux morts.